soir, les jeunes à la maison, moi c'est Laurent. Et moi c'est Giz. Et nous sommes à PAX, on est à Seattle, PAX West, c'est une convention de jeux vidéo, c'est plus gros que le E3, il y a des jeux partout, il y a beaucoup de jeux indie. Tu ne présentes pas de jeux toi à PAX, t'es juste là de même. C'est juste, moi je suis ici avec Sylvain de Outer Minds, on est là pour explorer, on a des rendez-vous, on n'a rien de prêt à montrer maintenant, mais... Les autres PAX, checkez-vous, on s'en vient! Fait qu'on a filmé des images, on s'est promené un peu, on vous fait un melting pot de tout ça, ça va être écœurant. Spoiler, on a même rencontré une idole qui a pas mal, probablement influencé notre enfance. À suivre. Je pensais que tu parlais de la fille de Metal Gear. C'est d'elle que je parlais. Oh! Hey, comment on se sent? Hein? Allô? Allô? Hey! Hey! Je connais lui! Je connais lui! Hey! Hello. Je connais lui! I want a collector. Okay. Sylvain, puis on va filmer Laurent qui filme Denis Talbot. Fait que ça, c'est la Super NES classique, celle qu'on peut pas avoir au Québec. Je peux presque y toucher. Nintendo, s'il te plaît. Bientôt Sylvain, à PAX, ils vont avoir des logos d'Outer Minds partout! On a rencontré Ron Gilbert, mais pas le joueur des Sabres de Buffalo. Le créateur de Maniac Mansion. Oui, tout à fait. C'était... moi, j'étais un peu fatigué. Je m'excuse, j'ai pas d'énergie. Mais oui, c'est le créateur de Maniac Mansion, le créateur de Thimbleweed Park. Puis là, on a acheté l'édition limitée de Thimbleweed Park en double. On a filmé des images de ça. Guiz l'a déballé, on l'a fait signer. Ron est super cool, puis non, je suis vraiment content d'avoir rencontré. On l'avait vu. On n'est pas fatigué! Non, on l'a vu au party de PlayStation hier, puis c'est justement. C'était le party, hein? Mm-hmm. Thank you.
Noël. C'est la dernière journée de PAX. Guise n'est pas avec moi, Guise est à l'hôtel. Parce qu'on est sorti hier dans un karaoké, êtes-vous vraiment surpris? J'avais envie de vous montrer un peu mieux la convention. Je vous montre ça, là, dans l'ordre. Ça va être malade. Il y a des line-up de fous partout! Il y a du monde partout! J'ai le monde! Ah! Oh! Mais non, c'est pas vrai, là, c'est correct. Également Tiny Build qui est ici, sont en train de nous montrer Hello Neighbor. J'ai même ramassé des petits dog tags Hello Neighbor pour dire que j'y avais déjà joué. J'ai joué évidemment chez moi. Tiny Build, c'est également et tout récemment Yandere Simulator. Malheureusement, Yandere Simulator n'est pas sur le show floor parce que c'est le genre de jeu qui va être en développement à l'infini. Donc, on a fait le tour du quatrième étage, pas mal. C'est sûr qu'encore, j'ai pas absolument tout montré. C'est vraiment difficile, là. Ça va faire une vidéo de une heure. Juste marcher et attendre après le monde, ça prend déjà plusieurs minutes. Il y a énormément de monde ici. On estime la foule à entre 70 000 et 80 000 personnes. J'ai plus de voix, donc je vais arrêter de parler. On s'en va au sixième. Oh my God, il y a une dizaine de prototypes de NES, des jeux qui sont jamais sortis. Il y en a de Super NES aussi. NSP Action Football, le prototype. Tetris Tengen! Fait que la version de Tengen dans une coquille grise avant qu'elle soit sortie. Mortal Kombat. Hey, sérieux, là, c'est vraiment le genre d'objet que je veux pour ma collection. Bon, là, on se sent comme dans le salon à Guise. Popeye the Sailor Man. Ça, c'est un des premiers jeux que j'ai joué au Coleco. Hey,
Fait que j'ai acheté le case de Dead Squared. C'est un développeur australien. J'ai jasé avec eux autres, ils sont super cool. Puis quand le gars m'a dit t'as le numéro de série 61, j'ai répondu je peux-tu avoir le numéro 69? Alors le numéro de mon case est 69. Il a dit que j'étais le premier à demander un chiffre en particulier. Fier de toi? Pas mal. Looks very nice. Is it only for Android? Oh. Man. It works for the real cartridge? Oui. What? So yeah, it plays Game Boy and Game Boy Color cartridges. Take it all, just take it. How much is it? It's $50. But what kind of phone do you have? iPhone? No, it's Android USB Type-C. C'est pas pire, je vais en acheter une pour me tester ça à Montréal. Ça a l'air de laguer un peu, mais faudrait vraiment que je joue à Punch-Out, comme vous savez, c'est mon jeu de prédilection, pour savoir si une console lag. Alors voilà, c'est la fin de PAX. Laurent, t'es-tu amusé? Je me suis beaucoup amusé, mais je dois dire que je suis fatigué. C'est quand même une convention de 4 jours. Je t'ai cherché toute la journée, ça a pris du temps, lui, il dormait. Non. Ah oui, non, quand même, là, mais on a mangé ensemble, on a pu tourner quelques petites patentes. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai hâte de revenir à la maison parce qu'on a acheté une NES HD, donc la Retro HD. Oui. On va essayer ça avant que je modifie une NES pour jouer en HD. J'ai hâte. Fatigué. Puis Denis Talbot est en train de nous filmer, c'est le caméraman. Super! Allô, Denis! Ciao à la maison! Bye!